Philippe. Et merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation pour cette première dont on n'est pas couché. Vous allez nous accompagner tout au long de cette soirée. Virginie Efira, l'ex-belge, Jean-Luc Mélenchon, l'anti-Bruxelles, et Patrick Timsit, le Magritte de l'humour. Ainsi, chère Virginie, il faut le dire, si l'amour est mieux à deux, on se souvient de ce titre de film, ce soir, les ébats auront lieu à trois, puisque vous êtes entouré de deux personnalités qu'a priori, tout oppose. L'un a vécu, c'est Patrick, une époque formidable au moment de la crise, alors que l'autre cherche des solutions pour en sortir en proposant de mettre la pédale douce sur les politiques d'austérité. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Mélenchon ? Pas mal, pas mal. Au fond, leur seul point commun à Patrick Timsit et à Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils maîtrisent l'art d'être des emmerdeurs, mais chacun dans leur domaine, l'un au théâtre, l'autre sur la scène politique. En fait, Timsit et Mélenchon parlent des mêmes choses. Le racisme, l'antisémitisme, le chômage, les handicapés, la politique, les hommes, les femmes, la vie, quoi. Au passage, j'ai une question à vous poser, Patrick. Comment expliquez-vous que quand on met un Indien dans la ville, ça fasse un succès, et quand on met un réfugié syrien dans le 16e, ça fait un drame ? Une réponse ? C'est pour ça qu'on fait du cinéma. Sûrement, alors justement, on écrit des textes. Il ne faut pas confondre le cinéma et la politique. Virginie, votre film, on le sait, a été particulièrement bien accueilli dans toute la presse. Il sort mercredi prochain, Victoria. Depuis Cannes, d'ailleurs, avant l'été, on parle de ce film qu'on attend. Mais méfiez-vous, Virginie, des politiques, puisque celui qui vous a piqué la vedette cette semaine dans Gala, c'est Jean-Luc Mélenchon. Une alimentation équilibrée, sommeil régulé. Ah ben oui. Il livre ses secrets de préparation pour son nouveau combat. Même votre film, Virginie, qui est une comédie romantique, eh bien, a une concurrence terrible dans la presse en ce moment, puisque le couple le plus romantique de la semaine, évidemment, dans tous les magazines, c'est Emmanuel et Brigitte. Et eux aussi sont en train de faire un remake de votre succès, 20 ans d'écart, sans vous demander votre avis en plus. Bref, on le voit... La frontière est très mince entre cinéma et politique, tant et si bien que si on se laisse faire, un jour, on pourrait bien se retrouver avec ce genre de film au cinéma. Emmanuel Macron dans Ben-Hur. Emmanuel et Brigitte dans L'économie du couple. Jérôme Cahuzac dans SOS Fantôme. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon dans Un petit boulot. Denis Baupin dans Rester vertical. François Hollande dans Insaisissable 2. Et évidemment, tous les candidats à la primaire de droite dans C'est quoi cette famille ? Eh oui, les politiques font beaucoup de cinéma, mais à l'inverse de Virginie, nous, si on devait organiser des primaires pour désigner la comédienne qui représente le mieux les comédies romantiques, vous gagneriez tous les suffrages haut la main. Si je dis ça, c'est pour énerver Jean-Luc Mélenchon, puisque lui, les primaires, il n'aime pas ça, il nous dira. Hein, il préfère, comme François Cluzet, faire la course en solitaire. Et oui, il nous dira pourquoi il a choisi d'être en solitaire et qu'il ne passera pas par ses primaires, Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure. En tout cas, il sera seul, comme Timsit, seul sur scène, comme Victoria, d'ailleurs, cette avocate en plein néant sentimental que vous interprétez, donc dans ce nouveau film. Seul, mais chacun avec la farouche volonté de plaire au plus grand nombre. C'est pour cette raison aussi que nous vous avons réunis tous les trois ce soir dans ce premier prime dont n'est pas couché. Alors bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.